بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الناس فاتقوا الله حق التقوى يقول الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن خير الكلام كلام ربنا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نواصل دروسنا في شرح الأربعين وكنا قد توقفنا الأسبوع الماضي في الحديث عن الشك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والآن نواصل إن شاء الله في الحديث التالي ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه. أبو هريرة رضي الله عنه rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit fait partie du bon islam que chacun délaisse ce qui ne le concerne pas. Hadith Hassan rapporté par Tirmidhi et d'autres sous cette formulation. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني بالفرنسية سنو أبو هريرة رضي الله عنه il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit fait partie du bon islam c'est-à-dire fait partie de l'excellence dans l'islam plutôt parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit من حسن إسلام المرء المرء يعني الشخص من حسن إسلام الشخص أو الرجل والمرء طبعا يعني يشمل النساء والرجال قلنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه fait partie de l'excellence de la religiosité de la personne de délaisser ce qui ne le concerne pas de délaisser quoi ce qui ne le concerne pas في الحديث الشريف حث على أن يحسن المرء إسلامه وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في فضل منزلة الإحسان وكما سبق في هذا الكتاب من حديث عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل القول إلى سيدنا جبريل عليه السلام حيث أنه سأل عن الإحسان فأخبره بأن نعبد الله كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا وحسن الإسلام وما يكرم الله تعالى به من أحسن إسلامه هذه أول فائدة تأخذونها من هذا الحديث يعني حث على إسلام المرء أو على
أن يحسن المرء إسلامه. La première recommandation ou signification de ce hadith. Qu'est-ce que ça signifie le hadith? Ce hadith, il veut dire, en d'autres termes, le véritable croyant qui cherche l'excellence, al-ihsan, c'est qui? C'est celui qui ne s'occupe pas de ce qui ne le concerne pas. On va expliquer, ça veut dire quoi, ne pas s'occuper de ce qui ne nous concerne pas. En règle générale, c'est de s'occuper de soi-même et de dire des choses et de faire des choses utiles. Et tout ce qu'on dira seront des choses qui se manifesteront. S'ils se manifestent à travers la pratique, ça veut dire que la chose, elle est utile. Si elle ne reste que théorique, ça veut dire que la chose, c'est ma la yu'ni, ou yani, une chose qui est inutile. Et fait partie des aspects du bon croyant de délaisser les choses futiles, de délaisser ce qui ne le regarde pas, ce qui ne le concerne pas lui en tant que croyant. Et en ce sens, dans le sens de ce hadith, il y a des savants, ils ont dit que ce hadith-là fait partie aussi des quatre hadiths les plus importants dans Husnul Adab, l'excellence dans la discipline, c'est-à-dire de s'occuper de soi-même et de ne pas regarder l'autre tant que, ou ne pas regarder aussi des choses qui sont inutiles pour notre âme, des choses qui sont futiles pour notre être, notre bien-être, que ce soit des affaires dunyawiyya ou bien ukhrawiyya, c'est-à-dire que ce soit des affaires mondaines ou des affaires célestes, yani de l'au-delà. Et donc, le premier bénéfice qu'on sous-entend du hadith, c'est quoi? C'est le fait que le prophète sallam nous motive à nous occuper de l'excellence, surtout dans les choses qui ne regardent pas. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit min husni, il n'a pas dit min islam il mar'i tarkuhu ma la yani. Il a dit min husni islam il mar'i. Donc en d'autres termes, ça fait partie des meilleurs, des mœurs et des comportements et de l'excellence. Comme vous savez tous, l'ihsan c'est a'la daraja min maratib al-islam, min maratib al-din. L'ihsan, c'est le plus haut degré parmi les degrés de la religion. Et on compte trois degrés. Le premier degré c'est la soumission à Allah, l'islam. Le deuxième degré c'est l'iman, qui veut dire la foi en Allah Azza wa Jal. Et le troisième degré, c'est l'ihsan, qui veut dire l'excellence. Et l'excellence, c'est d'adorer Allah comme si on le voyait, c'est-à-dire de se mettre à l'idée qu'on a constamment le regard d'Allah qui porte sur nos actions. Et si on ne le voit pas, lui, il nous voit. Ceci qui signifie en réalité que le croyant ne se limite pas uniquement aux choses visibles, mais même aux choses invisibles. Et la croyance, c'est justement le fait de croire aux choses invisibles et ne pas uniquement aux choses qu'on voit. Comme il y a des gens qui disent « moi je crois en ce que je vois ». Le souci, c'est que de croire en ce qu'on ne voit, en ce qu'on voit, c'est de croire en rien du tout. Parce que la croyance, c'est au-delà de la vision. La croyance, c'est au-delà de la vision physique. Mais c'est une vision spirituelle. Et c'est d'ailleurs pourquoi, ici, le prophète sallam, il nous encourage à chercher l'excellence dans le délaissement de ce qui ne nous regarde pas. Et il a même dit que ça fait partie de l'excellence même du caractère de la personne. Yani ne pas s'occuper des choses qui ne le concernent pas. Et en cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, « إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله هذا رحمة من ربك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit par rapport au ihsan, le fait d'exceller dans les actions. Il a dit إذا أحسن أحدكم إسلامه, quand l'un d'entre vous Ahsana islamah, excelle dans sa religion. Fakullu hasanatin ya'maluha bi'ashri amthaliha ila sab'imi'ati du'af. Chaque action qu'il fera, eh ben, elle sera multipliée de 10 à 700 fois l'action même. Tu as donné une bouteille d'eau en sadaqa, il se peut que c'est comme si tu as donné 10 à 700 fois cette bouteille d'eau. Et les ulama, ils ont expliqué comment atteindre le degré de 700 fois l'action. Eh bien, plus on excelle dans l'action, plus on atteint
ses degrés. Un exemple, si quelqu'un, admettons, il veut faire une sadaqa, sa sadaqa, bien sûr, le barème, le coefficient, il n'y a qu'Allah qui le connaît. Est-ce qu'il aura 32 hasanat, 64 hasanat, 82 hasanat, 77 hasanat? Il n'y a qu'Allah Ta'ala qui le sait. Voilà qu'il s'il excelle dans l'action, comme si il a donné tout ce qu'il pouvait en termes d'excellence et qu'il n'a pas trouvé meilleur que ce qu'il est en train de faire, les ulama, ils ont dit, là, il a atteint le sommet de l'excellence et forcément, il aura ses 700 fois cette action-là. Un exemple de quelqu'un qui n'a pas les moyens, mesquine, et il dit, qu'est-ce que j'aurais aimé donner de l'argent, énormément d'argent à tel et tel pauvre. Alors, il regarde dans sa poche et il voit qu'il a qu'une seule pièce de 1 euro. Et il dit, wallahi, si ça avait été beaucoup plus, ben, je l'aurais donné dans les mains. S'il est sincère, Allah Ta'ala va lui donner, comme s'il a donné l'équivalent de ce qu'il voulait donner, mais plus que cela, fois 700. Et c'est ça l'ihsan. L'ihsan, c'est un coefficient multiplicateur de nos actions. L'excellence. C'est pour ça que le prophète s'est dit, « Min husni, husni, ihsan. Min husni, islam il mar'i. » Et il a dit, parmi l'excellence de la religiosité de la personne, c'est de délaisser ce qui ne le concerne pas. « Wa kadhalika, lamma sa'ala as-sahabatu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam biqawlihim, يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا من الجاهلية قال أما من أحسن منكم بعد الإسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام هذا ومن أساء. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, les compagnons, ils étaient réunis autour de lui, et ils ont dit, « Ya Rasulallah, va-t-on être jugé ou comptabilisé de ce qu'on faisait à l'époque du paganisme, quand on était des gens qui n'étaient pas musulmans ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Quant à ceux qui ont excellé après leur religion, yani ba'da islamihim, c'est-à-dire, ça y est, ils sont devenus musulmans, ils ont cherché à atteindre l'excellence, en faisant des bonnes œuvres, etc., eh ben, ils ne seront pas comptabilisés de leur passé. Subhanallah. Et il a dit, « وَمَنْ أَسَاءَ » Et celui qui fait du mal, bien évidemment, celui qui fait du mal alors qu'il est encore musulman, vous voyez, c'est comme s'il ne s'est pas vraiment repenti en réalité, si ce n'est qu'il s'est converti. Celui qui fait encore du mal avec ses actions, ou qu'il œuvre dans le mauvais côté, eh ben, il a dit, Allah tabaraka wa ta'ala lui comptabilisera les œuvres de l'jahiliya et les œuvres de l'islam. C'est-à-dire que si j'avais été à l'époque du paganisme, la condition pour que Allah ta'ala m'efface tout, comme dans le hadith qui est connu, al-islam yajubbu ma qablahu, l'islam efface ce qu'il précède, eh bien la condition c'est que je ne reviens pas à ce péché de l'jahiliya. Et que je reprends la ferme conviction de ne jamais y retourner. Et là, Allah Ta'ala m'effacera tous mes péchés précédents. Et donc, chercher à faire l'excellence. Vous savez, c'est quoi la différence entre l'excellence, la foi et la soumission à Allah qui est l'islam? C'est que l'excellence, on est dans l'action de quoi? De vouloir faire avancer la chose tout en mettant l'intention de ne plus reproduire la mauvaise chose. C'est ça la différence quand on cherche le ihsan. C'est qu'on veut toucher l'apogée, le plus haut des sommets des actions, histoire qu'Allah Ta'ala nous agrée à travers ce qu'il y a de meilleur comme agrément auprès de lui. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première faïda qu'on déduit du hadith. La deuxième faïda qu'on déduit du hadith, c'est quoi? Hadha al-hadith al-sharif. C'est que tarkuhu ma la ya'ni, de délaisser ce qui ne le concerne pas. Et en d'autres termes, c'est tarkuhu al-lahw. Wa idha marru bil-laghwi aydan wal-laghw. Al-laghw. Wa idha marru bil-laghwi marru kirama. Walladhina hum 'an al-laghwi mu'ridun. Wal-laghw ma ma'na al-laghw? Huwa al-batil. Al-ashya' al-batila tusamma al-laghw. Wa huwa yashmalu ash-shirk والمعاصي وكل ما لا فائدة فيه هذا يسمى لغو أو لغوا
فحتى ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال أيضا الأفعال مش فقط القول لكن الأفعال أيضا فالشاهد أن الله تعالى قد أخبر عن من؟ عن الذي يترك اللهو ووصفه بأنه مؤمن فقال والذين هم عن اللغو معرضون طيب قبل ذلك من كان يقصد أو يقصد المؤمنين في بدء الآية حتى قال قد أفلح من المؤمنون الذين والذين والذين ذكر صفات المؤمنين وقال والذين بعد أن سرد صفات المؤمنين قال والذين هم عن اللغو معرضون يعني ما يحبوش الباطل ما يحبوش الشرك ما يحبوش المعاصي وكل ما يحتويها La deuxième faïda qu'on tire de ce hadith, tarkuhu ma la ya'ni, ça va dans le sens du verset où Allah Ta'ala il dit quant à ceux qui se détournent des futilités. Al-laghw en arabe, il est souvent utilisé pour désigner, les choses futiles et tantôt il est désigné pour désigner le shirk. Allah il appelait le shirk comme étant al-laghw. Al-laghw. Que ce soit même les instruments de musique ou autres, tout cela, toutes les choses futiles, s'appellent al-laghw. Et donc, en d'autres termes, al-laghw, on le résume par quelque chose de caduc, quelque chose de futile, quelque chose de nul, quelque chose qui ne ramène pas ou ne procrée pas de quoi, qui ne procure pas de bien, pas de fa'ida, pas de bienfait, que ce soit à travers les aqwal, les paroles, ou bien les af'al, les actions. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit ? C'est que délaisser cela reviendrait à délaisser al-laghw. Parce que tarkuhu ma la ya'ni, c'est le laghw qui est visé ici. Les choses batila. Comme on a dit au début, en introduction, le hadith, il signifie quoi, ikhwati ? De délaisser ce qui ne concerne pas le croyant. Et c'est qu'est-ce qui ne concerne pas les croyants ? C'est pas uniquement dans les choses dunyawiyya. C'est dans les choses aussi qui n'ont pas d'intérêt. Et on verra ce qu'il a dit l'imam al-Shatibi dans l'I'tisam concernant l'amal. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Abu Hamid al-Ghazali dans l'Ihya concernant le sharh de ce hadith. Un petit ta'liq. Alhamdulillah, yani la deuxième faïda, deuxième bénéfice de ce hadith, c'est quoi ? C'est le fait de qu'il concorde avec la parole d'Allah Azza wa Jalla, le fait de devoir délaisser les choses futiles. Et que ça fait partie des sifat du croyant, des caractéristiques du croyant de délaisser les choses futiles et par conséquent Allah Ta'ala récompense bien évidemment le croyant. Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait wa aslu islahi raha an-nafsi bil ishtighal bima ya'nik wa fasadaha kulluhu fi al-ishtighal ma la ya'nik. Il disait pour rectifier l'âme, pour vouloir rectifier l'âme et trouver la tranquillité intérieure ou le bien-être, la sensation de bien-être, il y a qu'on ne la trouve pas chez les développeurs personnels ou là chez les coachings ou là, on le trouve à travers quoi ? On le retrouve à travers, subhanallah, du fait de délaisser les choses futiles, les choses subsidiaires, les choses qui ne nous apportent ni de bien, les choses qui ne sont pas pour autant utiles dans notre quotidien, dans notre foi. Et il a dit, et bien évidemment, ce qui détruit, et regardez bien, hein, parce que s'occuper des choses futiles, c'est pas un péché en réalité, c'est juste une permission exagérée. Retenez cette règle, une permission exagérée. Yani s'occuper des choses futiles. Taba'an. Qu'est-ce qu'une chose futile ? Une chose futile, ikhwati, dans le din, et ce qui est voulu dans le hadith, le fait de délaisser cette chose futile, c'est quoi ? C'est, comme on a dit, se préoccuper des choses qui ne nous concernent pas. C'est-à-dire qu'il ne nous apporte pas d'utilité dans notre foi ou dans notre vie. Certains pensent que c'est uniquement dans les choses mondaines qu'il faut délaisser ce qui ne nous regarde pas. Comme ça dire, t'occupes pas de ton voisin, de ce qu'il a ou de ce qu'il a pas et tout ça. C'est pas que ça l'explication du hadith. C'est pas regarde, occupe-toi de toi-même. Non, l'explication c'est aussi s'occuper de son propre nafs pour des choses utiles. Il faut que tu abreuves ton nafs à travers des choses utiles.
faut que tu la nourris à travers des choses utiles et non pas futiles. C'est ce qu'il dit Ibn al-Qayyim. Il dit « wa fasaduha » et ce qui amène à la destruction ou à la dématérialisation de notre nafs, il a dit, c'est le fait de s'occuper des choses qui ne nous concernent pas, en réalité qui sont futiles. وَثَالِثًا مِنَ الْخَطَأَ الشَّاسِعَ أَن نَفْهَمَ أَنَّ مَا لَا يَعْنِ الْإِنسَانِ إِنَّمَا هُوَ مَحْصُورٌ فِي الْأَشْيَاءِ الدُّنْيَوِيَّةِ فقط الأمور الدنيوية هذا خطأ بل إن مما لا يعنيه أيضا مما هو متعلق بأمور الأخروية مثلا دائما يحبون مثل نضرب مثل كالتفكير العميق واحد يفكر بزاف فيما يكون عليه مثلا حال الأرض بعد انقضاء الأمر واش الأرض هذه واش تكون بعد الله ها ربي مسحنا كلنا واش غادي يجي جيل جديد ويعوضنا ولا كيف هذا تركه ما لا يعنيه لازم يترك هذا هذا مش سؤال يطرح ثم قال وهل يخلق الله خلقا بعدنا خلقا آخرين يكلفون ويبتلون ويرسل إليهم رسلا فإن هذا مما لا يعني الإنسان. Parmi les erreurs les plus fréquentes qu'on retrouve dans l'explication de ce hadith, c'est que l'explication souvent elle est concentrée uniquement sur les affaires mondaines en délaissant l'explication que ce hadith impliquerait dans les affaires célestes ou de l'au-delà. Je m'explique. Il y a des gens qui se posent la question, ils khammament beaucoup, ils réfléchissent beaucoup, d'accord ? Ils disent, par exemple, un exemple tout simple, eh mais est-ce qu'Allah Ta'ala, après notre création, il va venir, il va ramener une nouvelle création qui, eux, vont se faire éprouver comme nous, on s'est éprouvés, il va leur envoyer des messagers qui, eux, auront ceci et cela, ou est-ce que des questions qui sont futiles ? Taban, on va prendre la qaïda ? Quelque chose de futile, c'est quelque chose qui ne t'emmène pas à mener une action, qui ne te pousse pas à faire l'action. Vas-y, qa'id ahfadouha. Quelque chose de futile, c'est quoi ? Quelque chose de batil. Tarkuhuma la ya'ni, c'est quoi ? Al-shay al-ladhi la yuwallidu amal. Une chose qui ne va pas te procurer une action. Taba. Quelqu'un, il commence et il commente les matchs de foot. Oh, t'as vu, Fulan, il a mis quel but ? Ah, mais t'as vu, l'autre, il les a... comment il dit ? Séché, ou là ? Je dis, séché, ou là ? Séché, hein ? Match, là, avec Paris, là. Quelque... Rassalhom, ou là, je sais pas. Nous, ça nous en... ça va nous mener à faire une action, ou pas ? Là ? Donc, c'est des choses futiles. Donc, vous comprenez, quand on dit « Tarkouhouma la ya'ni », ça concerne aussi les matchs de foot. Pendant 4 heures, t'es devant et tu cries. C'est ça, tarkuhuma la ya'ni. C'est pas uniquement. T'occupes pas de ce qu'il y a dans le portefeuille de ton voisin. C'est ça, il faut comprendre le hadith. Tarkuhuma la ya'ni, ça me concerne pas. C'est des choses qui me concernent pas. Là, j'ai parlé du foot, excusez-moi pour les footeux. On peut parler de tout et n'importe quoi. Bon, allez, on va parler de. Je sais pas. Mais allez, je te regarde un documentaire à la télévision. Wallah, qui était plus utile qu'un match de foot. Parce que tu sais, dans le documentaire, tu vas voir, voilà ce que le lion, il mange, à quelle heure il mange. Tu vas dire, eh ben ça va, un jour, il a, qaddar rabbi, je suis dans la savane, je sais quand est-ce qu'il aura faim, je pourrais pas m'approcher. Mais quand il n'a pas faim, je peux m'approcher, le caresser un petit chouïa, et retourner dans la camionnette, le safari, hadouk. Oui, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. Et donc, qu'est-ce qu'on sous-entend du hadith ? Qu'est-ce qu'on comprend, les frères ? Si on a vraiment compris le hadith, qu'est-ce qu'on... Le prophète Sam, il sous-entend à travers son explication. C'est qu'il y a des choses qui vous ont permises. Vous avez vu comment l'imam Nawawi, il est intelligent ? C'est qui suit là le début de l'explication qu'on a donnée des 40 hadiths Nawawi depuis le début ? Même s'il était absent, c'est qui ? Est-ce qu'il y a un de vous qui a suivi depuis le début là les cours ?
Depuis Naam. Vous avez compris le manhajiyya de l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi. Il a cité les hadiths de l'interdiction, des choses déconseillées, et là, une fois qu'il a fini l'i'tiqad, il va rentrer dans les ahkam. Qu'est-ce qui est halal? Qu'est-ce qui est haram? Qu'est-ce qui est ambigu? Qu'est-ce qui est tellement halal que c'est mieux de le délaisser? Là, on est dans la catégorie, c'est tellement halal que c'est mieux de le délaisser. Il y a des choses où, quand tu uses beaucoup de la permission, tu peux soit tomber dans les makruhat, les choses répréhensibles, ou soit tomber dans les muharramat, les choses interdites. Et donc, c'est quoi la clé qui te fait tomber dans le péché, si vous avez compris? L'exagération dans les choses permises et inutiles. C'est ça la qaïda. Tarkuhu ma la ya'ni. Pourquoi il a dit min husni islam il mar'a? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui a atteint l'excellence, l'ihsan dessus, il a tout de suite compris que des choses qui vont la yanfa'uhu wa la yadurruhu, il ne va pas s'en approcher. Ou encore des questions comme United disent, est-ce que après la terre, il y aura une nouvelle création? Ou encore ceux qui s'occupent de savoir qu'est-ce qui se passe sur Mars? Sidi, tu vas faire quoi à Mars? Tu auras terminé ta thèse, ta recherche, tu vas mourir, et c'est ton petit-fils qui va balak, s'il arrive à aller sur Mars, profitez. Ouais, mais au moins je l'aurais fait profiter. Mais c'est pas... Allah ne nous a pas créés pour qu'on aille chercher dans les autres planètes où vivre, ou survivre. Sahullah, c'est ça, toi. Chacun, là, dès qu'il y a eu la guerre, là, il a annoncé la guerre en Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu voyais, il y avait des gens un peu partout, à gauche et à droite, et disaient, ah, il faut des bunkers, il y aura la bombe atomique, ça va éclater sur Paris, je sais pas quoi. Et tu voyais, là, wallah, il tapait bunker à Paris, bunker à Strasbourg. Wallah, ils en rigolent, mais c'est un rire nerveux. C'est inquiétant. Mais ça va changer quoi? قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وين الايمان تاعك الو تفوا يقول لك نو لازم فوس بروتيجي خذوا حذركم ما قاليش خذوا خوفكم حذركم تو فير كو تو جاك نوكليير تو رامين بارابلي هكذا خلاص جات صلاة جنازة الغائب وخلاص كتشي فيها دي شوز اوتيل. Normalement, wallah, ce genre d'épreuves, ils doivent nous rapprocher d'Allah. Ils ne doivent pas nous rapprocher des films Netflix Apocalypse, titre Apocalypse, je cherche des films qui vont dans le sens pour voir s'il n'y a pas une petite technique pour esquiver la bombe nucléaire. Tark min husni islam al mar'i. Tarkuhu ma la ya'ni. Donc, vous aurez compris qu'en réalité, que pourquoi Allah Ta'ala il n'aime pas le musrifin? Je connais le musrifin, les exagérateurs. Ceux qui gaspillent, ils exagèrent, le musrif. Wallahu la yuhibbu al musrifin. Allah il n'aime pas le musrifin. Pourquoi? Pourquoi il a dit Allah la yuhib? Parce qu'on a deux types d'israf. Tu as l'israf dans le halal ou l'israf dans le haram. Bien sûr, dans ce verset, il fait référence au israf dans le haram. يعني الله ما يحبهمش ديجا يعملوا حرام ويزيدوا زياده على الحرام ولكن الاسراف في الحلال يؤدي الى الحرام والحرام يؤدي الى الاسراف في شفت لا باس خير هكذا شوي شوي حتى كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. بدأ شوية 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 خدموا 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 جسكا صحيح كفر هكذا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أيوة j'étais obligé de retranscrire cette parole de l'imam Shatibi رحمة الله عليه. الله lui a donné une grande basira à l'imam Shatibi والله. L'imam Shatibi, وهو يضع الضابط لهذا الأمر. قال
L'imam Shatibi, alors qu'il a carrément édifié une règle dans ce hadith, il a dit les paroles qui suivent. Kullu mas'alatin. Sam'oum laha mlih, mlih wajh qal l'imam Shatibi. Kullu mas'ala. La yambani alayha amal. فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا والدليل على ذلك استقراء الشريعة فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به ففي القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فوقع الجواب بما يتعلق به العمل يسألونك عن الأهلة تفكير ولا مش تفكير؟ تفكير وعلاش يسولوا في الأهلة؟ هيا أصحاب الكهف سألوا في أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون سادسهم كلبهم ويقولون وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل شنو قالوا بعد ربي فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة هذا التساؤل التفكير هذا شيء لا يعنيه شيء لا يعني ولكن لما سألوا عن الأهلة جاوبهم ربي في القرآن أنزل وحيا آية كاملة فقال يسألونك عن الأهلة سؤال في محله سؤال مزيان جميل مليح طيب ليش كان القمر قل هي مواقيت للناس والحج يؤدي إلى عمل ولم يديش إلى العمل يؤدي إلى العمل بلا القمر ما كانش رمضان صح ولا بلا القمر ما كانش الحج فوقع الجواب على طول بما يتعلق به العمل وهذا الذي أراده الشيخ الإمام الشاطبي ثم قال إعراضا عما قصده بالسائل حتى قرأ عمر رضي الله عنه وفاكهة وأبا وقال بنفسه هذه فاكهة يعني معروفة فما الأب عمر كان يتساءل قال قرأ وفاكهة وأبا قال الفاكهة هذه فما الأب بعد راجع قال نهينا عن التكلف تراجع قال خير نزيد نكلف راسي ما نكلفش راسي خلاص نهينا عن التكلف قال وفاكهة وأبا خلاص ناخذها وخلاص يكفي فاكهة تكفينا وأبا خلاص علاش نجي واش غادي يديني إلى عمل آخر خلاص أنا فاكهة تكفيني والأب هذه تزيد بوكوا أبالك تخلم البلاد إلي تو بلاد إلي غفوني أي غوكارد تشوف لي غيدو يسوف غي يسفارم ما يسوف غي يسفارم معمرين هذو Jusqu'à. C'est comme s'il n'y avait que ça à faire. Je t'avoue, aujourd'hui, il a mis des chaussettes rouges. Hier, il mettait toujours des chaussettes blanches, des chaussettes noires, des chaussettes. Il a mis des violettes, regarde. Qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce que toi, ça t'a gagné des hasanat? Et regardez l'exagération dans les choses permises, c'est quoi? Ben, il peut faire de la médisance. Ça emmène à quoi? Ça emmène à la médisance. Et la deuxième catégorie des choses, الجزء الثاني من تركه ما لا يعنيه, c'est quoi? في حاجات تهم الإنسان في أصلها. الأولى لا تهم الإسلام الإنسان في أصلها. والثانية هذه تهم الإنسان في أصلها كشؤون المعايش من الطعام والشراب والمنام والكلام والخلطة والنظر والحركة وما لا يعني فيها هو الزيادة فيها هو الزيادة فيها على قدر الحاجة واش واحد راح يسافر في فرنسا هو جاي من البلاد يقدر يسول
شحال معيشه في فرنسا وباش يعيش قداه لازم له الراتب الشهري وباش كذا، هذه معنيش، هذه اصل فيها اصل تسمى ميجيش ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، فهمت؟ هذه عندها اصل ولا هذه عندها اصل، ولكن اذا زاد فوق ذلك هذه تسمى زياده فارغه. يعني واحد قال صاي فرنسا ها واش لازم باش تعيش، يقول ولكن اللي يحب يعيش بفيراري كيفاش؟ وطالع ليسونس ولا مش طالع؟ واشياء يعني فو فريمون اي سا فو كو كرويون في فريمون اتونسيون سي شوز لا. لا دوزيام كاتيجوري اون فا دير دو ليكسبليكاسيون دو دي شوز كي كونسيرن او كي كونسيرن با كرويون، سي دي شوز كي كيز اون اون باز، c'est-à-dire des questionnements, des actions qui sont poussées par une base et une réflexion qui possède une base. Comme par exemple, les affaires, voilà, s'occuper des commissions vitales, de la nourriture, de la boisson, faire ses courses, énumérer une liste, de quoi on a besoin, de quoi on n'a pas besoin. Je sais pas, si on a envie de partir en voyage, regarder, repérer les points de notre destination, ça y a pas de problème. Ça tu peux pas le dire tarkouhouma la yani. Même si c'est des choses de niaouya, au contraire. Ça c'est un asl. C'est des choses qui vont lui servir. Et tout ce qui est surplus de cela, yani c'est il rentre dans tarkouhou ma la yani. C'est ce qu'on appelle, les ulama ils appelaient ça fudoulul mubahat. L'excédent dans les choses permises. L'excédent dans les choses permises. Un autre exemple. Quelqu'un, il a une télévision. Mais bon, ça rentre plutôt dans est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas posséder. Mais tarkouhouma la yani. Wadah ? Quelqu'un, je ne sais pas, il a une télévision, il peut regarder la télé chez lui à la maison. Il veut se faire plaisir, il achète la dernière télévision, il l'achète. Il dit, ouais, mais le voisin, il a une télé meilleure que moi. Alors moi, je vais acheter une télé meilleure que lui. Hadi, tu sais, mais ziyada ou la asl hadi? Hadi, ziyada. Ah, mon voisin, il a acheté la dernière voiture Volkswagen, Mercedes. Vas-y, moi aussi, je vais l'acheter. Ziyada. Andak automobile, Ahmed Rabbi. Et regardez, ça amène à où? Pourquoi le professeur il a dit de délaisser ça? Ça amène au fait que tu ne reconnaisses pas les bienfaits d'Allah. Allah t'a donné une voiture, eh ben, c'est comme si tu craches sur la soupe qu'Allah t'a donnée. Il t'a donné une voiture, tu dis pas « Alhamdoulilah, il m'a donné cette voiture ». Tu dis « Pourquoi lui, Allah, il lui a donné plus que moi ?» Et moi, il m'a laissé, comme ils disent, pauvre, faqir. Je finis avec ça. Dernier point. On a énuméré à peu près une quinzaine de points juste concernant ce hadith. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Ce hadith-là, il indique une règle immense. Qa'ida azima. Cette règle-là, c'est par rapport à l'avertissement de ce qu'on peut appeler des dégâts de l'âme. Et que si la personne délaisse qui ne le regarde pas, elle est en train de procéder à ce qu'on appelle à la tahliya. T'as la tahliya et la tahliya. Le fait d'éduquer le cœur, de le façonner, façonner le nafs. C'est ça. L'éduquer. Quand tu arrives à éduquer, à dompter ton âme face aux choses qui sont subsidiaires et non essentielles dans ta vie, oh, Allahu Akbar. Wallahi, tu as tout franchi, tu as tout réussi. C'est jihad. Jihad al-nafs. C'est un combat contre l'âme. Dompter tout cela. Tu domptes ton âme. Ce hadith-là, en fait, c'est comme si le prophète Sam dit, apprends à dompter ton âme et tu auras l'ihsan. L'excellence. Dompter son âme, c'est quoi? C'est pas de te priver de ce qu'Allah Ta'ala t'a rendu
licite, halal. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Pourquoi tu t'interdis ce qu'Allah t'a rendu halal? Tabataghi mardata aswajik. Tu veux t'acheter une voiture? C'est permis, achète-toi une voiture, t'as les moyens. Mais c'est quoi dompter son âme? C'est à la fois ne pas lui faire du mal et à la fois ne pas lui donner ce qu'elle veut tout le temps. Il y en a, ils arrivent à le faire, mais qu'avec leurs enfants et leurs frères et sœurs et leurs familles. Et pas avec eux-mêmes. Il y en a, ils le font, mais qu'avec les gens de dehors. Ah, lui, je ne vais pas lui donner, sinon il va prendre la confiance. Après, il va tout le temps me demander. Le khassou yit'allam. Kaina la makan, shadi. Kaina. Il faut penser maintenant à nous-mêmes. Il faut dompter l'âme. Un exemple tout simple. Mon frigo, il est rempli pendant Ramadan. Et là, je veux attaquer là, les fournisseurs de frigo et ceux qui les remplissent pendant Ramadan et ils délaissent les adhkar. Tous les jours, ils font des courses au supermarché. Et tu vois, il y a des paquets de gâteaux qui datent depuis 8-9 mois qui traînent encore dans son armoire, mais il va acheter le même gâteau toutes les semaines. C'est haram des fois. Wallahi, ça peut être haram. C'est tabdhir, صح ? Tabdhir. T'as des gâteaux, kmelhom. Tu les as achetés, terminés. Ton frigo, il est rempli, t'as de la viande, t'as du poulet, t'as de la viande rouge, t'as de... Toutes les types de viande, Allahumma barik. Terminé. Ouais, mais elle est congelée, je préfère la laisser pour une autre fois. Je préfère de la viande fraîche parce que j'en ai envie. C'est inquiétant. Wallahi, c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Et ça, ça fait... Il faut dompter l'âme. Il y en a... Tu sais, à l'époque, le dicton, il disait « Kol khubzul ma ». Sah kaina là. « Khubzul ma ». Le pain et l'eau, ça me suffit. Mais c'est qui disait ça? Le faqir. Aujourd'hui, c'est le faqir qui le dit. Même au bled, il dit « Ana l'khubzul ma yikfi ». Parce qu'il n'y a que le rire l'khubzul ma. Mais à l'époque, le khubzul ma, c'était le luxe à l'époque du prophète sallam. كان النبي ما ياكل ما ياكلش الخبز تاع الشعير باسكو كان لوكس في زمانه الخبز تاع الشعير زق لك لا انا واش فيه خبز والماء كسرة يبسة وخلطها بالماء هذه لوكس هذه طيب الى يشوف فينا النبي صلى الله عليه وسلم الى يشوف في حال وضعيتنا اليوم يقول لك هذا خبز الماء زي ما قال في الحديث يحترموا الخبز لازم تحترموا الخبز اعطي له القيمه تاعه ويعشيكم ويغديكم ويعطيكم الغذاء تاعكم والقوه والطاقات demain la future génération ils vont dire ah frérot moi j'ai que une escalope je mange que du poulet en ce moment c'est la misère et bien sûr ils le font à Milhaj Ah, t'as vu, regarde, lui, il peut manger dans un restaurant luxe. Mais non, on ne s'achète que des Grecs. Kaina le mekanch. Wallahi, kaina. Kaina. Aujourd'hui, maintenant, les Grecs, c'est devenu bas de gamme. Demain, la grande restauration de luxe, c'est-à-dire que tu payes ton assiette. Hatta qu'un morceau, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour les chefs cuistots et ceux qui sont dans la gastronomie. Une assiette, tu la payes 80 euros et il te met un morceau de viande avec trois petits pommes de trois pois chiches et il te met deux loubia et il te met la fourchette bien rangée, le couteau bien rangé. Il goûte que ça, c'est un plat gastronomique qui coûte 60 euros. La viande, elle vient de Hollande. Et tu payes 80 euros. Voilà. Et il est content. Quelqu'un, t'as vu? Ou là, les couples msaken qui viennent se plaindre chez les imams et ils disent « Ah non !» شوف هذا دائما يدي مرتو تتعشى معاه في الريستورون تاع لوكس انا يا تديني في الطاكوس هذاك سي بارتو يا قول الحمد لله ربي عطاك حاجه تاكل تشرب والحمد لله والحمد لله نعمتان والله 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 نسال عن الاسودين وشنو الاسودين هاد التمر وشنو؟ والماء مش الماء عادي احنا عندنا الماء والله تسأل الروبيني تاعك اللي تحلو هكذا بوندون اون اور وتتوضا وتسأل عنه والتمر اللي راك ترمي فيه يقول لك انا جو بريفير لو شوكولا تسأل والله تسأل
والله كاينه ولا ما كانش؟ كاينه. نعود الحديث، تفضل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه. En français. أبو هريرة رضي الله عنه رابط que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit fait partie de l'excellent islam que chacun délaisse ce qui ne le concerne pas. Hadith Hassan rapporté par Tirmidhi et d'autres dans cette formulation. Donc comme vous avez vu, on n'a pas fait la biographie du Rawi parce qu'on l'a déjà vu. Abu Huraira, on a déjà parlé de lui dans les hadiths précédents. Donc là, on a attaqué directement le maître. On n'est pas rentré dans la profondeur du sanad. Je pense que c'est pas le moment le plus opportun pour parler de sanad et des turuq du hadith et des alfaz. Donc on va s'arrêter là. Vous voyez, un tout petit hadith. Les ulama, ils ont dit ça, ils rentrent dans la même catégorie des hadiths mères, de l'a'mal et de l'adab. D'a'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tarkuhu ma la ya'nih. Al-halal ubayin, al-haram ubayin. Faliyakul khayran, awliyasmut. Kul ha akhtarha il imam Nawawi, c'est bichi t'addab l'abd. Bichi saï, hadi t'kfilu bichi ish hiyatu ka muslim. Min husni islam, tous ces hadiths là suffisent aux croyants. Très 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 bref, les hadiths. En français, on appelle ça. La litotie, tosi, la litotie, il utilise des expressions litotiques pour. C'est quoi la litotie? C'est utiliser peu de mots avec beaucoup de sens, qui veulent dire beaucoup de choses. Aïe, il y a la litotie. Yani, tu dis beaucoup, tu veux faire signifier beaucoup de choses avec peu de mots. C'est comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec ça, tu comprends beaucoup de choses. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a compris de ce hadith? Plus de 6 à 7 fawa'id. Alors qu'il y a encore le double qu'on n'a pas encore énuméré. Mais juste ça, ça nous suffit, Inch'Allah. Parce que plus, le but, c'est pas de. On oublie. Ah, fadna al-qa'ida. Hada yikfina, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا بفضلك إنك أنت الجواد الكريم اللهم اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها علانيتها وسرها كبيرها وصغيرها اللهم يا رب العالمين إنا نسألك بأن تبارك هذا المجلس الكريم وألا تدع في هذا المجلس الكريم الطيب ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا آيما إلا زوجته ولا مبتدعا إلا هديته ولا سائلا إلا أعطيته يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم